Je ne saurais continuer ce discours sans mentionner l'accident qui s'est produit dimanche dernier en Bankolo, causant la mort de 28 personnes. Ouais. Comme il est, avec sa tête comme la pierre. Les Camerounais, non? Les gars sont forts pour l'humour. Vous vous rappelez dernièrement à la maison de parti quand notre ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyika faisait un discours pour le nombre de morts, des sinistrés, de Bankolo. Donc, les gars ont fait un challenge pour cette vidéo. Écoutez un peu. Ok. Je ne saurais continuer ce discours sans mentionner l'accident qui s'est produit dimanche dernier en Bankolo, causant la mort de 28 personnes. Et trois disparus. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est pas vrai. Il y a eu plus de 200 personnes mortes dans cet incident. Donc on peut pas, arrêtez de nous prendre pour des moutons. Non, 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 on peut pas accepter ça. J'ai bien dit 28 personnes identifiées. Trois disparus. Donc identifiés. Donc ça veut dire que ceux qui avaient la carte nationale d'identité. Hein, papa? Ça, au moins, on peut croire. Oui, donc même si vous êtes, même s'ils sont 250 qui sont décédés, il n'y a que 28 personnes qui avaient la carte nationale d'identité. Hey! Excusez-nous de rire, c'est vrai qu'il y a eu les morts, normalement on doit pas rire. C'est juste que le genre du moussi là, certains ne vont rien comprendre. Écoutez d'abord la version originale pour comprendre de quoi il s'agit. Écoutez très bien. Comme vous le savez, on ne peut pas évoquer ce sujet sans se rappeler de l'événement survenu au quartier Bankolo à Yaoundé dimanche dernier ayant causé la mort de 28 personnes. Quoi? Trois disparus. Aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Je dis bien, la mort ayant causé la mort de 28 personnes identifiées. Vous entendez dans les entendements. C'est quoi ça? Vous avez compris la version originale, non? Voilà. Vous allez comprendre maintenant la version des Camerounais. Les gars font le challenge et ils augmentent pour eux. Non. Les Camerounais sont trop forts. Écoutez, mais en attendant, monsieur le ministre, l'humour, hein, faut pas qu'après nos appels, là, on commence à fouetter nos bas des pieds. Que... écoutez la suite. Écoutez très bien. Il était bien. Dans le pays, c'est bon à voir jusqu'à... Donc, c'est-à-dire, on nous regarde dans les yeux comme ça, là, on nous manque correctement, les gars. Mais, il a raison, non? 28 personnes identifiées, donc ceux qui avaient la carte nationale d'identité. Alors, ce n'est pas bon. Donc ceux que vous êtes en train de dire qu'il y a eu 200 morts, 300 morts, 4, même s'il y a eu 1000 morts, on ne reconnaît que ceux qui avaient la carte nationale d'identité. Ça, c'est clair. Donc restez là, n'allez pas réclamer vos cartes nationales d'identité, hein, puisque nous allons tous mourir d'une manière ou d'une autre, et surtout dans les incidents comme ça là, on ne va pas nous identifier. Hein. Ah bon? C'est vrai. Pourquoi? Il y a beaucoup parmi vous là qui crient sur les réseaux sociaux alors que quand ils meurent d'accident là, on ne les compte pas parce qu'ils ne sont pas identifiables. Chacun doit commencer là-bas par lutter pour sa carte nationale d'identité, on ne sait jamais. Hein? Vous comprenez? Parce que quand on dit que le gouvernement déclare là, c'est ceux qui étaient identifiés, donc ceux qui avaient la carte nationale d'identité et pas le récipicé. Hein? Quoi? Oui, parce que des fois, ils ne tiennent pas compte du récipicé. Voilà. Mais le pays, c'est vraiment quand même. Hein? Quelque part, il donne raison à ces ministres parce que le pays évolue. Comment ça? À l'époque, on a eu les ministres qui sont sortis comme ça, là, nous dit, hoha, qu'il y a eu zéro mort. Nous sommes bien partis de zéro à 28. Alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Donc, c'est déjà quelque chose. Mais en parlant en rire comme ça, c'est pas bien. Prenez-nous au sérieux, cher gouvernement. Prenez-nous au sérieux. Comment face à une situation comme ça, là, vous nous prenez comme les moutons. Ça ne m'en va plus. Et ça ne m'en va pas du tout plus. Nous sommes en larmes. Ça nous dépasse. Hein? Non, moi, ça me dépasse. Et ce qui m'étonne, c'est qu'il avait un collaborateur à côté. Vous êtes un sous-préfet, vous êtes un préfet. Quand il a déclaré les 28, bon, lui-même, il a regardé comme ça, il a lapé jusqu'à... Et puis encore, il y avait un photographe, il y avait un caméraman qui était en train de filmer. Il filmait, quand il a entendu parler de 28 morts, et il a baissé la caméra, il a regardé encore le monsieur le ministre comme ça là. Petit menteur. quelle déception du jour. Et comme le monsieur le ministre là, ces garçons, mon ami, vous regardez dans les yeux comme s'il crie sur vous. Vous connaissez le monsieur, vous le connaissez. Mais vrai, sois sérieux à un moment donné, nos chers gouvernants. Vous êtes là pour nous, vous êtes dans notre service. Si vous êtes là, c'est parce que nous sommes là. Mais oui, c'est clair. Si nous ne sommes pas là, vous ne seriez jamais là. Si vous êtes là parce que c'est pour nous servir. Ça c'est clair. Si on n'a pas besoin d'être servi, vous ne seriez pas là. Quand même.
Finalement, vous voulez donner raison à ceux qui disent qu'il faut qu'on vende le pays à crédit, on signe le chèque, on partage. J'ai dit que, mais mon frère, hey. Ce qui me fait rire le plus dans tout ça, c'est que le gars ne relate pas seulement les faits, mais il augmente, ça pas juste à voir comment le caméraman, ou c'est le photographe, avait baissé sa caméra pour regarder le ministre. Juste, il voit comment le sous-préfet avait aussi... Non, les gars, vous êtes forts, vous comprenez, non? Bref, je vous laisse regarder ce petit spot pour tous ceux-là qui ont besoin d'un forage, tous ceux qui ont un problème d'eau chez eux. Écoutez attentivement ce spot. Tout le monde souhaite avoir de l'eau potable sans frais chez lui, mais ignore que partout, même dans les zones les plus arides, cette eau existe et peut être exploitée de la manière suivante. Réalisation des forages, réalisation des puits modernes, captage d'eau et bien d'autres. Claire Fontaine, entreprise citoyenne, a décidé pendant 3 mois de doter nos domiciles d'eau de forage à un prix battant toute concurrence. Tenez par exemple à Yaoundé, avec 1 350 000 francs, vous avez droit à un forage. À Bafoussam, avec un montant d'1 450 000 francs, entrez en possession de votre forage. À Ebolova, à 1 550 000 francs, obtenez votre forage. Pour plus d'informations, contactez-nous via WhatsApp au numéro suivant 680 44 95 32. Avec Claire Fontaine, nous donnons la vie. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payons, non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.